conférence est aussi d'amener l'Afrique, à travers ses dirigeants, à renforcer la culture masculine positive et son rôle à mettre fin à la violence faite à la femme et à la fille, à adopter, ratifier, domestiquer et mettre en œuvre la Convention de l'Union africaine sur la matière, à créer des environnements propices à la promotion des femmes dans les postes à responsabilité, à susciter une appropriation politique de la campagne de l'Union africaine, à créer un fonds dédié à la lutte contre cette pandémie silencieuse, à lancer de façon décisive un appel mondial en faveur d'un traité international pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Monsieur le Président, il n'est pas acceptable. Il n'est pas juste que la moitié de l'humanité continue de souffrir de tel traitement au XXIe siècle. Face à tant de souffrances, il est heureux que de bonnes volontés restent engagées aux côtés des victimes. Je veux rendre hommage au docteur Denis Mukwege pour les efforts inlassables qu'il consacre à la prise en charge et au traitement des femmes victimes de violences sexuelles. L'expérience montre que les textes à eux seuls ne suffisent pas pour éliminer la violence. Au-delà des textes, il faut agir contre la violence sous toutes ses formes, qu'elle soit physique ou morale, comme le sexisme et le harcèlement. C'est le sens de notre présence ici, à Kinshasa, en particulier, nous les hommes, parce que la violence contre la femme est souvent et presque exclusivement le fait de l'homme. Devant le mal, il n'y a pas de neutralité possible. Il n'y a de choix que celui de l'engagement et de l'action. Et vous l'avez dit. Agir contre les violences faites aux femmes et aux filles, c'est pour nous une question d'état d'esprit. En ce qui concerne les hommes, si chaque homme voyait en chaque femme sa propre grand-mère, sa mère, son épouse, sa fille ou sa nièce, alors le monde ferait un grand pas dans la défense de la cause qui nous réunit ce soir.